tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans une précédente vidéo, je vous montrais les dyes que j'ai reçus de la boutique KS Craft sur AliExpress. Parce que j'ai la chance de faire partie de leur équipe de design team pour le mois d'août. J'ai eu droit à la collection du mois d'août, donc la collection de Noël. Donc, je vous mettrai à la fin de cette vidéo. La vidéo pour voir tout ce que j'ai reçu, parce que là je vais vous montrer juste les fleurs, parce que je voulais en faire une avec vous en même temps. Donc du coup, alors j'ai reçu ces fleurs là, donc je vous montre la boutique de KS Craft, donc le YouTube, donc, Instagram c'est KS Craft Anna, et ils ont un Facebook aussi. Donc c'est des fleurs, c'est des fleurs de Noël. Donc, ça se présente comme ça. En fait, il y a deux petits. Et voilà. Ça se présente comme ça. Donc, du coup, alors, j'ai testé. Voilà, celle-ci. Donc, celle-ci, bon, je ne sais pas si vous allez la reconnaître, mais c'est la collection Wonderland de Laura by Laura. C'est une ancienne collection. Et j'avoue, je crois que cette collection, j'ai que les papiers et peut-être des puffies, c'est tout. Et là aussi, c'est du Laura by Laura. Et alors, du coup, pour faire la petite boule, j'ai utilisé des boules de. Pardon pour le bruit. Donc eux ils appellent ça glitter ball. Glitter balls. J'avais acheté ça à Action. Je crois que c'est pendant les périodes de Noël. Donc il y avait en gold, mais je crois que j'ai deux teintes de gold. Et en blanc. Et il y a plusieurs tailles dedans. Alors en fait, dans ces dies, il y a plusieurs manières de faire. Donc là pour les morceaux là qui sont derrière, j'ai utilisé les deux tailles. Donc celui-ci et celui-ci. Et là par exemple, j'ai utilisé que le petit morceau pour faire les pétales. Et pour celui-là, après, je sais pas si vous voyez hein, vraiment différent, c'est plus gros. J'ai utilisé le gros. Et le petit. Oui, plusieurs manières de faire. Après, pour cette partie-là, on peut prendre aussi que des petits ou que des grands. Mais là, j'ai juste testé comme ça, avec un grand et un petit. Je trouve que c'est plus joli. Et sur le blanc, j'ai rajouté des petites étoiles. J'avais acheté ça il y a longtemps sur AliExpress. J'adore. Donc les petites et la dernière. Donc là, c'est pas Noël. Je sais pas si vous allez la reconnaître, mais c'est Carousel de Maggiums. Je voulais tester. Et là, j'ai pris deux coloris de papier et j'ai rajouté un bouton. Alors là, c'est les boutons que j'avais achetés sur AliExpress. Ils ressemblent à ceux qui sont vendus dans la collection Carousel. Ouais, j'ai mis un bouton, je trouve que ça va, ça fait joli. Et alors ça, c'était des petits. Donc là, vous voyez la mesure. Oui. Franchement, c'est... Ouais, 6 cm. Donc je vous le mets là, peut-être. Voilà. Et comparé hein, aux grands, ils sont gros. Hein. Je vous le mets à côté. Vous avez vu, la maman et le bébé. Ils sont gros. Hein. Après, pour mettre sur des emballages cadeaux, c'est bien. Hein. Après, en scrap, moi j'aurais mis ça sur une boîte.
Ouais, elles sont grosses. Donc là, je suis partie sur la collection Hey Santa de Crate Paper. Et là, pour changer, j'ai mis des petites paillettes qu'on retrouve chez... Voilà, elles sont là. Chez AliExpress. Oui, les glitters. Là, j'ai utilisé mon papier bronze de chez Ali. Et pour le dernier, Hey Santa aussi. Donc là, c'est un autre papier gold. Ouais, on voit bien à la caméra. Celui-là, il est fin. J'adore la couleur. Mais il m'en reste plus beaucoup. Celui-là, un peu plus épais. Je crois que j'avais acheté ça sur quoi? C'est pas la fourmi? C'est un lot de 5. Mais la couleur, c'est un petit peu plus jaune. Ouais. Donc, du coup, je voulais faire. Donc, j'ai fait 3 petits. Et je voulais faire. Un autre gros. Donc ça. Alors, attendez, je range. Donc ça c'est les grands. Voilà, ça c'est les grands. Bon, j'ai déjà fait les découpes, hein, pour pas perdre de temps. Bon, par contre, faut faire attention parce que. C'est un peu chaud à faire quand même. Hein. Je me suis brûlé les doigts. Là, vous allez voir, moi je galère un peu. Hein. Donc du coup, j'ai pris aussi une collection papier carousel. Alors moi j'utilise mon plioir. J'arrondis un petit peu. Et la partie la plus délicate, c'est pour coller. Parce que moi, je colle à la colle chaude. Alors déjà qu'avec la colle chaude, ça se décolle un peu. Alors si j'utilise de la colle normale, donc je vais galérer. Hein. Bon. Croisez les doigts pour moi, pour pas que je me brûle. Hein. Ah. Ah là là. Bon, allez, c'est parti. En plus, je vais faire ça comme ça. Mon pistolet à colle que j'avais de chez Lidl, bah, il est mort. Et ouais, je l'ai laissé chauffer toute la nuit. Et il a rendu l'âme. Alors, ça m'est déjà arrivé hein, avec les pistolets à colle comme ça de chez Action. Ça n'a jamais rendu l'âme. Hein. Mais je l'aimais bien celui-là de Lidl. Il pouvait être sans fil. Il avait un socle qui se rechargeait sur le socle et tout. Et le bout, surtout le bout était fin. Ça, le bout comme ça, là, moi j'aime pas en fait. Ça ressort gros et c'est galère. Je sais pas vous, mais vous me direz. Et j'en avais un petit aussi, un petit bleu. Alors, je sais plus si c'est We Are Memory Keeper. Vous voyez, il faut que je fasse tout doucement pour pas que j'en mette partout. Qui était à pile, mais ça prenait trop de temps à chauffer. Ah, ça va me faire des pâtés. Bon, si vous êtes plus à l'aise avec la colle liquide, faites. Hein. Je finis toujours par mettre mes mains au final. Ah, celui-là de Lidl, il faisait pas de fil en fait. Mais voilà. Et de 1. Alors, le plus gros.
Et voilà. Et du coup, la petite touche finale. Du gold. Le blanc, j'avais découpé. Mais je crois qu'il est un peu plus. Celui-là est trop petit. Blanc. Blanc ou gold? Ah, vous pouvez pas me dire. Hein. Vous pouvez pas me dire. Oh, le gold, il passe tout le temps. Après le blanc. Alors attendez, je vais essayer de refaire un autre, mais un peu plus gros. Peut-être blanc comme ça. Alors, attendez, je vais couper ça. Je vais faire pause, sinon je vais prendre du temps. Voilà, j'ai coupé. Je trouve pas ça facile à couper. Ou c'est mon cutter qui est un peu mort. Bon, du coup, blanc. Blanc, ça peut être pas mal. Et si on rajoute des paillettes, on va voir. Alors là, faut que j'essaye de pas en mettre beaucoup, mais bon, c'est compliqué. Si on en met trop, bah après ça déborde. Ouais, ça déborde un peu sur le côté. Et moi, j'enlève le surplus comme ça. Alors, pour ajouter des paillettes, bah, je mets de la colle. Comme ça. Je vais t'aider avec ça. Bon, voilà. Par contre, il faut vraiment attendre que ce soit sec la colle en dessous parce que du coup les paillettes elles collent dessus, vous voyez là. Donc si vous voulez pas qu'il y en ait là, voilà, faut attendre que ça sèche. Bon là ça va, j'en ai pas beaucoup donc ça va. Bon ben voilà. Voilà mes grosses fleurs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous avez déjà acheté le dies ou si vous comptez l'acheter. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!